Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Alphonse de Lamartine. Né à Mâcon le 21 octobre 1790 et mort à Paris le 28 février 1869, est un poète romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France. La retraite. Au bord de ton lac enchanté, loin des sots préjugés que l'erreur défie, couvert du bouclier de ta philosophie, le temps n'emporte rien de ta félicité. Ton matin fut bruyant et ma jeunesse en vie. L'azur calme serein du beau soir de ta vie, ce qu'on appelle nos beaux jours, n'est qu'un éclair brillant dans une nuit d'orage. Et rien, excepté nos amours, n'y mérite un regret du sage. Mais que dis-je? On aime à tout âge. Ce feu durable et doux, dans l'âme renfermée, donne plus de chaleur en jetant moins de flammes. C'est le souffle divin dont tout homme est formé. Il ne s'éteint qu'avec son âme. Étendre son esprit, resserrer ses désirs, c'est là ce grand secret ignoré du vulgaire. Tu le connais, ami, cet heureux coin de terre. Renferme tes amours, tes goûts et tes plaisirs. Tes vœux ne passent point ton champêtre domaine, mais ton esprit plus vaste étend son horizon. Et du monde embrassant la scène, le flambeau de l'étude éclaire ta raison. Tu vois jusqu'au bord du Tibre et du Nil et du Gange, en tout lieu, en tout temps, sous des masques diverses, l'homme partout est l'homme, et qu'en cet univers, dans un ordre éternel, tout passe et rien ne change. Tu vois les nations s'esclipser, tour à tour, comme les astres dans l'espace. De main en main, le spectre passe. Chaque peuple a son siècle et chaque homme a son jour. Sujet à cette loi suprême, empire, gloire, liberté, tout est par le temps emporté. Le temps emporta les dieux mêmes de la crédule antiquité. Est-ce que des mortels, dans leur orgueil extrême, osaient nommer la vérité? Au milieu de ce grand nuage, réponds-moi, que ferait le sage? Toujours entre le doute et l'erreur combattu, content du peu de jours qu'il saisit au passage, il se hâte d'en faire usage pour le bonheur et la vertu. J'ai vu ce sage heureux, dans ses belles demeures, j'ai goûté l'hospitalité. À l'ombre du jardin que ses mains ont planté, au doux son de sa lyre, il endormait les heures en chantant sa félicité. Soyez touché, grand Dieu, de sa renaissance. Il ne vous lasse point d'un inutile vœu. Gardez-lui seulement sa rustique opulence. Donnez tout à celui qui vous demande peu des doux objets de sa tendresse. Qu'un souriant foyer toujours environné, sa femme et ses enfants couronnent sa vieillesse, comme de ses fruits mûrs un arbre est couronné. De souleurs, des épis, ses collines jaunissent. Au pied de son rocher, son lac soit toujours pur, comme de ses beaux jasmins, les ombres s'épaississent. Que son soleil soit doux, que son ciel soit d'azur, et que pour l'étranger toujours ses vins mûrissent. Pour moi, loin de ce port de la félicité, hélas, par la jeunesse et l'espoir emportés, je vais tenter encore et les flots et l'orage. Mais ballotté par l'onde et fatigué du vent, au pied de ton rocher sauvage, ami, je viendrai souvent, rattacher vers le soir ma barque à ton rivage. Coup de cœur aujourd'hui est Claude Brodin.
Claude Braudin est né le 10 janvier 1946, a fait des études universitaires, licence en droit à Lyon. Puis juriste et conseil en droit social jusqu'à sa retraite, il réside à Nantes. Il écrit depuis 2010, mais c'est au service militaire qu'il a découvert le mouvement littérature et artistique dans les années 50. Mes rêves sont cassés, posés au même, un sol triste. Mes rêves volent haut. Le soleil chaparde des éclats de tendresse pour réveiller mes songes, éteints, refroidis, desséchés, nus. Pauvre idiot, sot, inconvenance, terrible de vivre. Rêveur sans un rêve, tendre, où une main caresserait mes éclats de mots, douceur, oubliée. J'ai froid ce matin. Revenez, rêve, je vous aimerai. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.